une autre question. Je crois qu'on a une question au téléphone. Bonsoir. Oui. C'est simple. Je me suis posé cette même question à ma sœur il y a quelque temps. Et je me suis dit, mais Samuel était un prophète intègre. Et les Hébreux n'avaient rien à lui reprocher. Hein. Donc d'ailleurs, avant de mourir, il leur a dit, est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Et personne. Les gens ont dit, non, non, tu as toujours été vrai, intègre, tout ça, correct, en gros. Hein. Pourtant, on nous dit que ses enfants étaient des fils de Bélial. C'est-à-dire, Bélial, c'est le nom de Satan. Hein, donc carrément. Et ses enfants couchaient avec des femmes. Ils étaient des prêtres qui utilisaient les offrandes destinées au culte, au Seigneur, pour eux. Et comment ça se fait? En fait, je me suis posé cette question. Et puis la réponse est venue. Le Seigneur m'a donné une réponse simple. Il m'a dit, regarde, qui c'est qui a formé Samuel? C'était Élie le prêtre. Et comment étaient les enfants d'Élie le prêtre? Voilà, les fils de Bélial aussi. Donc en fait, les enfants, c'était des enfants d'Élie le prêtre, plutôt, qui couchaient avec des jeunes femmes, qui prenaient les offrandes. Et les enfants du prophète Samuel se comportaient mal. Donc ils n'étaient pas intègres. Donc en fait, là j'ai compris que, en fait, le père dans la foi de Samuel, qui était le prêtre Élie, n'était pas un bon père pour ses propres enfants. Et comme on ne donne que ce qu'on a reçu. Physiquement, n'était pas un bon père dans la foi, hein, et dans la foi aussi parce qu'il était prêtre, hein, donc et un bon père biologique pour ses propres enfants, parce que d'ailleurs c'est même la raison pour laquelle Dieu l'a frappé, parce qu'il n'a pas su corriger ses enfants, reprendre ses enfants quand il se méconduisait, tout ça, quand il couchait avec des femmes, tout ça, voilà. Et ses deux enfants étaient morts, et sa belle-fille également, l'une de ses belles-filles, et l'arche de l'Éternel qui était de Yahweh qui était également prise par les Philistins. Et donc, comme Samuel a grandi depuis le bas âge, depuis son sevrage avec Élie, donc il a vu cet homme, il a vu comment cet homme était avec ses enfants. Donc il a eu une mauvaise formation familiale sur la gestion de la famille. Et c'est pour cela, lui-même, à son tour, intègre qu'il était, bien qu'il était intègre, il a eu des lacunes parce que ce n'était qu'un homme. Il a eu aussi des lacunes par rapport à ses propres enfants. La gestion des enfants, de la famille, tout ça. Oui, c'était un prophète de Dieu, oui, mais il n'était pas moins homme. Voilà. Donc, on ne donne que ce que l'on a. Et c'est vrai que les Écritures nous disent que les enfants sont les fruits hein, que Dieu donne aux parents. Et je veux dire, d'ailleurs, les Écritures le disent, hein, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Hein, donc, voilà. Et un bon père, un chrétien. Qui est converti, qui aime le Seigneur, il doit être forcément, il doit porter des fruits. Et ses enfants, quand ils voient ces fruits, quand ils voient qu'un père, leur père ne lève pas la main sur eux, ne les met pas sur les balcons pour les punir, un père qui ne ment pas, un père qui ne trompe pas sa femme, un père qui n'a pas plusieurs femmes, un père qui prend soin de ses enfants, qui les écoute, qui dialogue avec ses enfants, qui prend soin d'eux, qui répond à leurs besoins matériels, financiers, qui les encourage pour les études, qui les encourage même quand ils font des erreurs, qui ne va pas les condamner, mais qui va les relever. Tout ça, et être un modèle. Eh bien, un père comme ça n'a pas forcément besoin de prêcher à ses enfants l'évangile matin, midi, soir pour qu'ils soient chrétiens. Ce sont les fruits qu'ils manifestent,
qui feront que les enfants vont être touchés, comme Paul, Pierre le dit dans 1 Pierre 3, les femmes dont les maris ne sont pas convertis et qui n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent le gagner par leur comportement. Donc ça, ce côté-là, beaucoup de chrétiens le négligent. Ils négligent le comportement. C'est le côté pratique des choses. C'est la vie de tous les jours. Et les enfants sont très, très... Vous savez, les enfants sont très observateurs. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de voir des comportements pour être touchés. Donc parfois, on leur balance des versets bibliques à coups de versets, matin, midi, soir, alors que ses parents ne vivent pas forcément ce qu'ils prêchent. Donc soyons des gens soyons des personnes qui vivent des gens qui vivent ce qu'ils prêchent. Voilà. Donc, une autre question, peut-être ? Oui, frère. Oui. Juste par rapport à ce que vous avez dit, parce que dès que vous répondez, je comprends qu'il y a aussi le côté confrontation, mais parfois pas confrontation. Je veux dire, les enfants doivent voir les parents réagir. Et c'est vrai que parfois, je me suis demandé, peut-être que Samuel lui passait tout le temps dans l'intimité, tout le temps dans la montagne, et il n'avait pas forcément il n'était pas forcément tout le temps en relation avec les enfants pour leur montrer le côté pratique. Donc, c'est dit aussi que nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas tout le temps rester dans la chambre en train de prier et tout. L'erreur que beaucoup de gens... Bon, ce n'est pas écrit que Samuel faisait cela. Ça, c'est, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été un bon père, il était un bon prophète. Pour Israël, il était un homme de Dieu intègre, pas de souci. Il était un bon père pour les Juifs en tant que prophète. Il était joué aussi un peu ce rôle de père pour conseiller, pour de juge en même temps parce qu'il était prophète et juge et tout ça. Mais il n'a pas été malheureusement par rapport au comportement de ses enfants. Donc c'est lui qui a raté l'éducation de ses enfants. Il faut le dire. Et voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'a pas donné des bons conseils à ses enfants, je ne dis pas qu'il n'a pas, mais en tout cas, il y a eu un ratage quelque part. Il faut le reconnaître parce que les preuves sont là, dans la Bible, comme Élie, son père dans la foi. Et je crois qu'effectivement, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. D'ailleurs, j'ai parlé avec une famille tout à l'heure, je disais à mon frère, donc je donne le conseil, beaucoup de gens vont effectivement passer plus de temps enfermés dans leur chambre, en train de jeûner du matin au soir, de faire des jeûnes de 40 jours, 21 jours. Mais ils négligent les enfants. Par exemple, il faut choisir un temps pour méditer. Par exemple, si les enfants reviennent de l'école, par exemple, il faut leur accorder du temps pour parler avec eux, discuter avec eux, échanger avec eux, tout ça. Et les enfants, souvent, ici en France, ils n'ont pas cours, certains, hein, pas cours le mercredi, par exemple, ils finissent tôt, certains. Ben, il faut leur consacrer, par exemple, si les parents sont là ce jour-là, ben, leur consacrer du temps. Vous voyez, et c'est important pour faire des sorties, moi je prends mon temps par exemple pour aller au restaurant avec mes enfants, bouger, bouger. Donc parfois je suis là, je leur dis, vous voulez manger quoi? Ben aujourd'hui on va à tel restaurant, on prend à manger, on va manger à la maison. Et parfois sortir, aller ici et là. Donc le problème de beaucoup de chrétiens, effectivement, ils sont trop trop TTS. Vous voyez, ils ont beaucoup de versets dans le crâne, et quand on voit leur famille, c'est la confusion, c'est le désordre total. Un enfant à droite, l'autre enfant à gauche. Et quel est le témoignage qu'on donne à ces enfants-là, hein? Donc, comme ce scandale qu'il y a eu en Belgique, notamment ce couple, comme je le disais tout à l'heure, qui maltraite leurs enfants. Les enfants de 6 ans, on laisse ces enfants sur le balcon de leur appartement, et en leur privant de la nourriture, parce que l'enfant a été prendre à manger dans le frigo, on le punit à cause de cela. Mais attendez, mais il y a un problème là. Si un enfant a faim, bah, il se sert, aussi simple que ça. Et ça se dit chrétien, ils sont remplis de versets dans le crâne, ça prophétise partout, et après, c'est sur nous que ça retombe, vous voyez ? Donc, non, je suis désolé, mais ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est être responsable. L'évangile nous responsabilise, Dieu nous responsabilise, aussi bien dans nos foyers que dans la société, vis-à-vis des autorités pour lesquelles il faut du respect, tout ça, de la considération, comme les Écritures nous le disent, et à l'école, tout ça, et au travail. Et moi, je vois des chrétiens qui prêchent la parole, mais ils mentent facilement. Vous voyez ? Ils mentent facilement. Mais les enfants voient cela. Et comment voulez-vous que ces enfants-là soient touchés ? Et donc, il y a beaucoup de lacunes, effectivement, ma sœur. Donc, il faut un équilibre. Et on a beaucoup de chrétiens déséquilibrés. On a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes mentaux. Voilà. Donc, on a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. C'est à cause de ça que beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se convertir. Voilà. Donc, il faut de la discipline, il faut du sérieux.
Voilà. Merci. Shalom. Voilà, que tout soit béni. Bon courage. Voilà, il nous reste 5 minutes.